Nous sommes très heureux que tout se soit passé de manière pacifique. Nous sommes très heureux que la participation soit un peu plus que, je pense, 71%, et dans certaines régions, nous avons atteint 75%. Le dépouillement des bulletins de vote commence aujourd'hui. Les résultats définitifs sont attendus vendredi. Plus de 16 millions de personnes étaient éligibles pour élire environ 200 législateurs. L'élection était au départ prévue pour avril, mais elle a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie. Le Sri Lanka a réussi à contenir la propagation du virus en signalant plus de 2800 cas et 11 décès. Des mesures sanitaires ont été mises en place dans les isoloirs pour garantir la distanciation physique.